Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tutoriel que j'avais hâte de vous poster. C'est une pose que j'ai aimé faire comme pratiquement toutes mes poses, mais particulièrement celle-là parce qu'elle a été faite sur modèle. Le nail art est imposé, en tout cas le but est que j'ai carte blanche. Je désinfecte les mains, première étape super importante, que ce soit en clientèle ou non. J'attends que ça sèche un maximum et je repousse les cuticules. Cette étape permet de décoller le repli et d'enlever toutes les peaux mortes sur la plaque. Ainsi, vous allez pouvoir faire votre pose à même l'ongle. Une fois que j'ai retiré les peaux mortes sur la plaque, je lime la plaque avec un grain doux et je retire toute la brillance. Inutile d'insister ou d'appuyer trop fort. Vous devez effleurer dès que vous voyez que ça a griffé la plaque. Inutile de repasser au même endroit. Je dépoussière bien. J'applique le déshydratant sur tous les ongles et je prépare mes capsules. À cette étape, j'ignore complètement les ongles de ma modèle puisque je vais me concentrer sur les capsules. Ici, je fais un design, un nail art qui est à même la capsule, donc pour le moment, je ne travaille pas sur l'ongle. Donc en amont, j'ai choisi les tailles. Chaque ongle a une taille différente. Regardez bien, main droite, main gauche. Sur l'envers, je matifie avec un primer pour la capsule, donc c'est un primer avec acide qui permet de matifier l'intérieur en quelque sorte. La surface va accrocher et va permettre une meilleure adhérence, donc vous n'aurez pas de risque de décollement à ce niveau-là. Il y a les décollements entre l'ongle naturel et la base, donc où toute la capsule est partie mais la base également. Mais il y a également les décollements entre la capsule et la base. Donc la capsule s'enlève d'un coup, mais il y a toujours la base sur l'ongle. Donc faites bien attention à analyser ces deux cas-là. Dans le cas où la capsule s'en est allée et qu'il y a encore la base sur l'ongle, c'est qu'il y a eu une mauvaise préparation des capsules. Donc vous pouvez soit prendre le liquide comme moi, ou soit matifier directement avec une ponceuse. Je prépare les capsules qui auront les paillettes, donc où je vais faire les incrustations. Il y a quelques doigts où je vais faire des baby glitters, donc où je mets les paillettes au niveau du bord libre en dégradé, mais je ne descends pas jusqu'aux cuticules. Et à contrario, il y aura des capsules où je vais partir de la cuticule et dégrader jusqu'au bord libre, mais en laissant quand même une zone transparente. Et puis, il y a des capsules que je vais laisser comme ça, tout simplement parce qu'il y aura une couleur intégrale. À chaque capsule où j'applique les paillettes, j'applique une fine couche de base à l'intérieur, j'applique les paillettes et ensuite je mets à catalyser 60 secondes. Quand c'est fait, il est temps de reprendre les mains de la modèle et de faire la pose américaine. Alors ici, je vous conseille d'appliquer une fine couche de base avant. Ça permet une première couche de lissage hein, qui va permettre, si jamais il y a une bulle d'air, ben, d'éviter l'infiltration à même l'ongle. Donc voici pourquoi des fois vous allez me voir mettre la base et des fois non. Je vous le dis souvent, l'étape de la préparation au niveau des produits de préparation varie énormément selon le protocole, selon la combinaison qui s'enchaîne de produits, hein, tout simplement. Ici, par exemple, si la base que vous avez contient du primer, inutile de mettre du primer auparavant. C'est pour cela que vous allez me voir mettre du primer des fois, et d'autres fois, comme ici, non. J'utilise les mêmes produits que j'ai utilisés pour coller les paillettes pour coller les capsules. Il s'agit d'une rubber base. Je vous mets la référence en barre d'information. J'utilise des rubber base de pas mal de marques.
C'est vrai que j'ai mes favoris, il faut que je vous fasse une vidéo sur ça. J'attends de tester d'autres choses pour vous faire un top 5 au moins, voire même plus, hein, puisque depuis j'en ai testé pas mal. Et donc ici, j'en ai une transparente et une beige. Donc la transparente m'a permis d'une part de coller les paillettes, mais elle va me permettre également de coller les capsules qui seront transparentes, qui auront la couleur intégrale, donc qui n'ont pas de paillettes. Donc j'applique bien sur la zone où j'ai mis le primer, donc la zone qui est préparée, qui a la croche, qui va bien adhérer. Et je mets à catalyser sous ma petite lampe. Je fige bien pour m'éviter les bulles d'air. Il faut vraiment que vous ayez un appui, un maintien sécurisé. Vous faites un mouvement de bascule de la cuticule jusqu'à plaquer jusqu'au bord de l'ongle naturel. Je me munis de la Rubber Biz beige pour le baby glitter. Donc l'ongle où j'ai mis les paillettes et les petits cœurs au niveau du bord libre. Cette étape est deux en une puisque je me sers de la couleur de la base pour perfectionner, on va dire, le lit de l'ongle, pour parfaire les imperfections. Et en même temps, je colle la capsule. Une fois que j'ai collé les capsules, je retourne la main de la modèle et je place une petite quantité de Rubber Biz transparente sur l'envers. C'est-à-dire que j'emprisonne les paillettes en dessous. Vu que je les ai appliquées à l'intérieur de la capsule, une fois qu'on la colle, les paillettes se retrouvent complètement libres en dessous. Donc appliquer une fine couche de Rubber Biz, donc soit à l'avance, hein. Moi j'ai appliqué une fine couche à l'avance, mais je viens encore ajouter un petit peu pour vraiment qu'on ne sente pas les paillettes au toucher, hein, pour qu'il y ait la bonne quantité, il n'y en avait pas assez. Essayez de ne pas toucher la peau à cette étape, c'est un peu compliqué. Si ça touche légèrement, on peut rattraper à la ponceuse avec un embout spécifique qui va permettre de limer le surplus. On catalyse à l'envers. Bien sûr, lors de la mise en forme, on lime le dessous, comme je vous l'ai dit, avec un embout précision et on parfait cet endroit-là. Le but est que les paillettes ne se sentent pas, qu'il n'y ait pas de relief. Attention à ne pas poncer toutes les paillettes. Finalement, il ne va rien vous rester. Enlevez juste le surplus de Rubber Biz Clear. Une fois que c'est fait, je dépoussière et j'applique le beige, donc la Rubber Biz beige, pour faire le baby glitter. Je remonte légèrement sur les petits cœurs, les paillettes. Je ne les camoufle pas, ce n'est pas le but. Rien ne sert d'épaissir à ce niveau-là. Là, je veux augmenter l'opacité du beige qu'il y a en dessous et fondre le nude aux paillettes. J'aime beaucoup quand le nude vient se fondre aux paillettes, mais à vous de voir, c'est une étape optionnelle. Hein. Vous pouvez très clairement vous arrêter là et préférer les paillettes qui se fondent au nude. À vous de voir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé comme ça. Et j'applique une sublime couleur de Madame Glam. C'est une couleur lila, juste magnifique. Pour le printemps, elle est excellente. Facile à appliquer, elle est tellement pigmentée. Vous le voyez, une seule couche, c'est déjà magnifique. La deuxième couche vient couronner le tout, mais déjà, c'est très, très, très opaque. Très agréable à appliquer. Pour une couleur limite pastel, c'est assez rare. Donc vraiment, cette marque-là, de toute façon, c'est un sans faute. Il y a un code de moins 30% sur le site, c'est MGGanonaise30. Il est temps de passer au bijou d'ongle. Donc j'ai trouvé un bijou qui allait parfaitement bien avec ce design. Il est trop beau. Et j'essaie de retrouver où je l'ai acheté. Je vous avoue que je n'ai aucun souvenir, probablement AliExpress, mais à voir. Peut-être que d'ici là, actuellement, il est en barre d'infos. Je vous aurais fait la recherche. Je colle avec la colle à strass de la marque Macart. Je vous mets le lien, il est trouvable sur Amazon. Je place la bonne quantité, pas trop non plus, et j'enfonce le bijou dessus. Donc, bien sûr, le but n'est pas qu'il y ait une bouée tout autour, ce n'est pas très joli, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de matière autour. C'est vraiment ce qui fait que ça va tenir plusieurs semaines. S'il y a un espace entre le bijou et l'ongle, vous pouvez être certain qu'au moindre choc, ça va sauter. Donc vraiment, le but est de sceller le bijou, qu'il y ait de la matière tout autour. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait, comme je vous l'ai dit, une bouée où vraiment il y a énormément de matière tout autour. Je mets à catalyser. Alors pour les bijoux, c'est 2 minutes. Et une fois que c'est fait, il est temps d'appliquer la finition. Donc ici, j'ai appliqué la Mega Top de Victoriaville. C'est un top coat rubber, tout simplement. C'est comme la base, sauf que là, c'est à l'étape de la finition. C'est un top coat légèrement épais, mais pas tant que ça. Franchement, je trouve que celui de Victoriaville n'est pas ouf en termes d'épaisseur, quoi. Mais il est bien pour ajouter du renfort et surtout combler
une petite zone qui mérite encore un peu de matière, comme pour le baby glitter. Et voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter, ça me fait plaisir de vous lire, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos, activer la cloche de notification pour recevoir les notifs dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est MJ Ganounaise. On se dit à la prochaine, bye bye.